Hello, ici Julien, le capitaine de Pilotine. Aujourd'hui, je vais vous parler de la solution que j'ai trouvée pour répondre à deux problèmes majeurs et que j'ai envie de trouver toujours plus de clients pour Pilotine et de me donner de la visibilité pour mon agence. Le deuxième challenge que j'avais, c'est que je suis un petit peu fainéant et du coup, j'adore gagner du temps et trouver des outils qui me permettent de gagner beaucoup de temps dans ce que je fais au quotidien. Et mon quotidien chez Pilotine, c'est de m'occuper du marketing et de m'occuper du commerce. 90% des gens, quand ils cherchent un business local, agence web Lyon, agence digitale Lyon, boulanger Lyon, ils se renseignent sur Internet et ils font cette recherche locale avec le nom de la ville. Et quand on met ça, boum, il y a la carte Google Maps en général qui se met, mais ça peut être sur d'autres outils, sur Waze, sur Maps, sur plein de trucs. Mais quand on est sur Google, en tout cas, ça s'affiche là. C'est ce qu'on appelle le référencement local. Et il faut savoir que parmi tous ces gens-là qui font les recherches locales, il y en a un bon paquet, on va dire à peu près 90%, qui vont regarder cette partie-là locale, qui vont regarder les avis, descriptions et qui vont faire très 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 attention aux avis qui se trouvent à cet endroit-là. Je pense que vous faites pareil. Quand vous cherchez un fleuriste à Lyon et qu'il a une note en dessous de 3,5, en général, vous n'allez pas aller chez lui parce que vous dites soit il n'est pas bon, soit je sais pas quoi. Vous allez regarder un peu les avis, voir s'ils sont bidons ou pas. Et tous ces gens-là, ils vont vouloir se renseigner, voir les photos, ils vont vouloir avoir du contenu et surtout, ils vont vouloir prendre contact avec vous. Donc, mettre le petit bouton « Contactez-nous », pouvoir commencer à engager la conversation, ça va être très important pour eux. J'ai trouvé un outil qui permet de faire ça et ça s'appelle Partout. C'est un outil qui va permettre de centraliser et surtout qui va me permettre moi-même d'être confort dans ma fainéantise. C'est-à-dire que ça va me faire gagner énormément de temps. Je suis connecté et on va retrouver la liste de mes établissements. Donc pour l'instant, j'ai l'établissement Pilotine ici. Cet établissement Pilotine, je vais pouvoir le gérer ou autre. Je vais vous montrer juste comment créer un nouvel établissement. Vous allez voir, c'est plutôt simple. Créer établissement, vous allez mettre un nom, un téléphone, des catégories, très important les catégories. Si vous êtes fleuriste, ne mettez pas agence digitale et inversement, donc très simple. Et ça permet tout de suite de vous catégoriser, de vous faire remonter dans le référencement local de Google et des autres. Si je retourne sur Pilotine maintenant, j'ai mon nom, ma catégorie. Moi, j'ai mis centre de formation parce qu'on fait de la formation, agence de publicité, conseil, agence marketing, assistance et services informatiques. Vous ne pouvez pas mettre tout ce que vous voulez, c'est restreint et au moins, il vous indique toutes les catégories qui existent sur tous les sites. À savoir qu'il y a une chose qui est énormément prise en compte par l'algorithme de Google, c'est les avis, comme j'en ai parlé, mais il y a aussi la cohérence que vous pouvez avoir sur ces différentes plateformes. Waze, Google Local, Maps, Facebook et tous les autres sites que vous pouvez trouver, les 118, 218 et tout ça, plus vous êtes cohérent un peu partout, plus Google va se dire « Oula, celui-là, il est pas mal, il a une fiche qui est complète et qui est la même de partout, donc il n'est pas schizophrène, je vais le mettre en avant par rapport aux autres. » Et l'outil vous aide à le faire. Ensuite, vous allez pouvoir ajouter des horaires. Lundi, mardi, vous mettez tous vos horaires d'ouverture. Et ce qui est cool, c'est que dès que vous allez avoir une modif à faire sur tous les sites, vous allez pouvoir le faire une fois et la modification va se faire sur tous les sites. On va pouvoir mettre une description. Donc les descriptions, c'est 164 caractères en général. Et après, vous pouvez mettre une description courte aussi, qu'on va retrouver un peu partout. Pareil, dès qu'il y a des nouveautés indiquées, vous le mettez et hop, ça se diffuse de partout. On va pouvoir avoir des attributs. Accessible fauteuil roulant ou autre. Donc, petit troco, si c'est pas accessible, mettez juste non défini. Parce que si vous mettez non, ça vous mettra des mauvais points. Il y a un truc LGBT et tout ça, friendly. Je vois pas pourquoi vous direz non, mais vous pouvez normalement vous mettez oui. Ensuite, vous allez pouvoir mettre des liens vers votre site internet, des liens un petit peu partout, page Facebook, profil Twitter et ainsi de suite. Vous allez pouvoir renseigner les contacts, email, numéro de téléphone et rajouter des photos. Et après, il y a des petits paramètres avancés avec le numéro de Siret et ainsi de suite. Alors, je vais vous montrer un peu les photos. En fait, on a changé de logo il n'y a pas longtemps chez Pilotine. On a fait une mise à jour de toute notre charte graphique, de notre site internet. Je clique sur mon logo que je vais mettre à la poubelle. Ce qu'on va faire, c'est que je vais aller tout en bas, logo, hop, et ça va mettre mon logo automatiquement. Donc ça, c'est cool. La photo principale aussi, je vais la changer parce que celle-là, elle est un petit peu ancienne. Ensuite, je vais télécharger des nouvelles photos. Je vais cliquer sur importer les photos et là j'ai photo d'équipe et tout ça et une petite photo quand on faisait de la boxe avec l'équipe, c'était sympatoche. Je télécharge toutes mes photos et je vais définir la photo comme photo principale. Et donc du coup, j'ai ma photo principale. Toute cette modification va pouvoir se répliquer sur l'intégralité des sites sur lesquels je suis connecté avec Partout. J'enregistre et vous allez voir les différentes connexions qu'on va avoir. Donc quand je clique sur présence diffusion, je vais retrouver toutes les plateformes sur lesquelles je suis synchronisé. On va avoir Google, Facebook, 118.00 et tous les sites affiliés à 118. Hootspot, Foursquare, Waze, Factual, juste à côté, Mapster, Here et TomTom. Comme vous voyez, chacun de ces sites a des temps pour valider votre site.
Donc nous, on l'a fait il y a à peu près 2 mois. Et là, comme vous voyez, bah, y en a, ils mettent 1 jour pour valider, très rapide. D'autres, 1 semaine, d'autres, 2 jours, et ainsi de suite. Et on a IR et TomTom, ils mettent jusqu'à 3 mois. Donc cela, c'est encore en cours. Il n'y a même pas besoin de s'occuper de faire le suivi, parce que l'outil partout va le faire pour vous et va vous permettre de gagner énormément de temps. On va pouvoir obtenir tout plein de statistiques, et notamment, regardez, eh bien, on peut voir que depuis qu'on a fait la mise à jour en novembre, on a eu une belle augmentation de notre visibilité. On est passé à peu près de 2800 vues à 4600 en juste en diffusant notre contenu maintenant de partout. Donc, bah, c'est plutôt cool. En quelques clics, honnêtement, l'inscription et la mise en place, ça va me prendre une demi-heure à tout casser. En quelques clics, on a déjà gagné beaucoup, beaucoup de visibilité. Donc ça, c'est chouette. On a aussi une partie review. Comme je vous le disais, les avis, c'est quelque chose de très important. Et on va voir bah, tous les avis que les gens mettent. Ce qui est le plus important, c'est de pousser vos clients à mettre des avis. Et une fois qu'ils ont mis leurs avis, quelle que soit la plateforme, vous allez pouvoir y répondre depuis partout directement. Et ce qui est cool, vous voyez là, si je mets une réponse pour Laureline, eh bien, c'est qu'on a des modèles de réponses prêtes à l'emploi. Et vous allez gagner pas mal de temps parce que vous avez en fait des messages prêts à l'emploi que vous allez pouvoir ensuite customiser. Donc, vous allez gagner pas mal de temps et vous allez tout de suite voir un peu comment créer un message sympa de réponse à un avis. Vous allez pouvoir faire des tris, des fils, des machins. Vous avez aussi vos statistiques au niveau des avis. Par exemple, nous, sur les 6 derniers mois, on a reçu 11 avis. On a 170 avis au total. On a un taux de traitement de 91% sur les 6 derniers mois, 57% avant. Avant, on ne répondait pas. Juste parce qu'on n'avait pas le temps, grâce à Partout, c'est beaucoup plus simple de prendre le temps de répondre à tous les avis. Et on a plein de notes moyennes, machin. Donc nous, on a une très bonne note chez Pilotine, donc ça, c'est cool. Merci à nos clients qui nous font confiance. Et vous avez un review booster, c'est en gros pour pousser vos clients et vos clients fidèles à vous mettre un super avis sur vos différentes pages. Dernier petit truc, on a la possibilité de poster des éléments, notamment sur Google My Business. Je vais vous montrer très rapidement comment faire un post. Donc ça va vous permettre en fait de vous donner de la visibilité et d'avoir des actualités directement quand les gens vont faire une recherche. Si je tape Pilotine dans Google, on va tomber sur la petite fiche ici sur la droite. Là, vous avez vos stats, machin. Et vous avez ici des actualités qui vont s'afficher. Afin de mettre des actualités ici, soit vous le faites manuellement un peu de partout, soit vous passez par l'outil mis à disposition par Partout. Créer une nouveauté. Je vais sur le blog de Pilotine, je prends la dernière actu en date. Alors, on est limité à 1500 mots sur ces actus. Hein. Après, je pousse les gens à venir sur notre blog. Hop, je mets mon post, je mets ensuite 3 petits points. Allez, hop là, voilà la suite sur le blog de Pilotine. Je peux mettre une photo si je veux. Et ensuite, je vais venir prendre le lien de mon article de blog et je vais ajouter un bouton. En savoir plus, je mets le lien du bouton. Définir une date de publication. Tac, maintenant, ah non, je vais mettre un titre. Nouveauté, refonte visuelle de Pilotine. Et là, on est bon, je publie. J'ai un super post maintenant qui va pouvoir s'afficher de partout sur Internet. Et surtout, beaucoup de temps de gagner puisque maintenant, à chaque fois que je vais faire une mise à jour, soit des horaires, soit de la description, soit de je ne sais quoi, en lien avec Pilotine, eh ben, je vais pouvoir dupliquer cette information de partout en un temps record grâce à Partout. Donc, si vous voulez essayer cet outil, on a dû mettre un lien quelque part autour de la vidéo pour pouvoir le tester. Donc, n'hésitez pas à me faire des retours, n'hésitez pas à me poser quelques questions que ce soit et j'y répondrai avec plaisir pour que vous puissiez passer à la vitesse supérieure et surtout gagner énormément de temps. Je vous souhaite à tous une excellente journée et une bonne utilisation de partout et générer plein de clients. À plus, ciao.